et contre Pika Player qui joue un chibi robot. Rien ne va, c'était magnifique. Ok, Klebino contre Tenebrix, on est parti pour un BO3, hop, sur TOS à tous les coups. Non, sur Dreamlands. Oh là là, pour changer Dreamlands. Ok, pour le moment, c'est récupéré. Ok, Tenebrix... Ouh, attention, dash attack. Ok, pour le moment, c'est pas trop mal. 62% à 25. On est revenu dans le neutral. 62%. Ok, le nombre de clash qui s'est passé. Là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ouh, side B, F-smash. Ok, 60 à 72%. Faut faire attention, Sora est très dans le combo. Pareil pour Rayman qui a réussi à faire un smash en plein dans le side B. Tout va bien. Ok, dash attack. Ok, la tornade qui a été trouvée. Le smash. C'est gratuit en vrai. C'est complètement gratuit là. Ouh, dash attack qui a été trouvé à nouveau. Ok, là pour le moment, patiente. Ça c'est bien. Les dash dance. Ok. Ouh, ça aurait pu finir sur un truc. Ok, triple dash attack de la part de Tenebrix. On n'est plus trop. On est habitué à force, hein. Tenebrix qui nous fait des magnifiques dash attacks. Ok, le upper. Le upper, le donner, malheureusement, ça va pas toucher. Ok, 123 à 126 quand même, 135%. Attention. Ça peut être très dangereux des deux côtés. Ok, le grab qui a été trouvé. Ouh, le donner, malheureusement, ça n'a pas connecté. Ok, on retourne au neutral dash attack. On attend, c'est bien. Ok, dash attack. Ouh, magnifique combo de la part de notre cher Tenebrix. Which one has more broken DI the set? Sora wins. Pourquoi tu spoil? Pourquoi tu spoil, mon ref? Ouh, bien joué. Bien joué, ça, de la part de Klebino. Ça a bien été trouvé. Ok. Oui. Pourquoi pas? Ok, up tilt. Ouh, le donner qui a été trouvé. On attend, c'est bien. Ouh, le down tilt, malheureusement, ça n'a pas touché. Le fire, attention. Ça peut suffire. Malheureusement, on n'a pas le Fatal Foudre pour toucher. Ok, le grab qui a été trouvé. Non, le double grab, non. Up tilt. Ok, pour le moment, 92 à 37%. C'est encore Tenebrix qui a l'avantage. Pendant que Klebino nous fait un magnifique combo qui lui a mis à 60%. Ok, upper. Faire, attention, 131%. Non, il a qu'à fire pour le moment. Il ne peut pas l'utiliser parce qu'il est beaucoup trop loin. Oh, la tornade qui a été trouvée, attention. Ça peut suffire peut-être. Ou le F-Smash qui n'a pas touché malheureusement. Ou attention. Ok, jab. Ok, upper. Non, c'est F-Smash. Ah, malheureusement, il est beaucoup trop loin pour faire toutes tes attaques élémentaires. Le fire, non, ça n'a pas été trouvé malheureusement. 161%. Ça peut se faire avec le back air et ça suffit. Tolkien to S-Fan. Sora wins, dash attack dit. Ah, ok. Tu vois, no, Tolkien to S-Fan. Oh là là. Ok, dash attack. 103%. Le F-Smash qui a été trouvé à 120%, ça a été kill. 103%, ça a été kill. On est à 0% partout. On est de retour dans le neutral. Le side B qui a été dans le vide, encore une fois. Ok, dash attack. Ok, jab. Attention, le fer. Ouh, ça, c'est une belle attente de la part de Klebino. Mais malheureusement, ça risque d'être très compliqué. Dreamland, c'est pas super pour Rayman, selon moi. Donc, bon choix de Tenebrix. Ok, ça marche. Oh, Tenebrix, malheureusement. Malheureusement, le side B qui descend quand on est dans l'air. Ça a mal été calculé, malheureusement. Bon, peut-être qu'il sera meilleur en faisant des dash attacks. Ou le fire qui n'a pas été trouvé, malheureusement. Ouh, le thunder. Pourquoi il a été dedans, Klebino? Attention au Tenebrix, qui est quand même assez dangereux avec ses attaques élémentaires, quand même. Et aussi avec ses dash attacks. Ouh, la clé qui a été balancée. 4%. Ouh, attention. Peut-être pour un combo, dash attack. Up tilt. Non, ok. Ouh, triple donner, attention. Ça aurait pu conclure sur quelque chose, peut-être. Ok. Ouh, faut faire très attention. Le side B, le smash qui n'a pas été touché malheureusement. La clé qui a été balancée mais qui n'a pas conclu. Ouh, le shield qui a été touché. Ok, peut-être pour quelque chose en 91%. Malheureusement, ça n'a pas touché encore une fois. Faut faire très attention, Klebino, à ne pas se faire kill. Ok. Ouh, attention, le coup de boule de Zizou. Attention. Ouh, le Fatal Foot qui n'a pas été touché. Ouh, ça c'est une belle attente de la part de Klebino. Faire attention parce que ça peut suffire. Ok, le fer qui n'a pas été touché malheureusement.
Mais attention, ça c'est une belle attente de la part de Glibino, il sait qu'il est en danger, il sait qu'il faut attendre. Ouh, la glaciation, attention, le Fatal Foudre. Et malheureusement, ça a kill. Malheureusement, ça a kill, je croyais en ce Rayman. Mais malheureusement, il n'avait... Il s'est fait avoir, voilà. J'allais dire une dinguerie. il s'est fait avoir, malheureusement. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Faut faire attention à ces doubles attaques élémentaires de la part de Tenebrix, parce que ça peut faire très mal, comme vous l'avez vu. Parce que là, il a dû jump, alors que peut-être qu'il aurait pas dû. Il aurait peut-être dû juste mash et attendre un petit peu en arrière, ou alors je sais pas exactement, faudrait qu'on me dise à l'oreillette, petit champi, peut-être. Je ne sais pas. Ok, donc ça fait 1-0 pour Tenebrix. On est parti pour le deuxième combat. C'est parti. Cette fois-ci sur TOS. Glibino contre Tenebrix. Ok, la dash dance. Ok, la dash attack a été trouvée. Pour le moment, 8%. Ok, une belle attente. Ouh, attention. Ok, back air. Ouh, attention, Tenebrix qui est en train de nous cooker quelque chose, peut-être. Ouh, le fire. 75%. Ok, donne-t-il tout dash attack? Faire très attention des deux côtés. Ça, c'est surtout de la part de Rayman, parce que 75% déjà. Faire très attention. Ouh, malheureusement, la technique n'a pas été bien exploitée. Faire attention, Tenebrix. Ouh, le Thunder, non, ça n'a pas touché. Le Grab, ok. Non, le Smash qui n'a pas touché. Ok, Up Tilt. Pour le moment, c'est assez even. Ok, Tornade. Oui, neutre à l'air. Pour le moment, il ne trouve pas grand-chose. Ok, mais en vrai, il est très patient, Glibino, mais malheureusement, il n'arrive pas à convertir sa patience à quelque chose. Ou oh, attention, une partie de tennis est lancée. Ouais, malheureusement, la recovery était un peu trop prédictible. Ouh, ça a été bien joué. Ça c'était bien joué, 138%, 147. Faut faire très attention à le Fatal Foudre, ça n'a pas été touché. Faut faire attention à pas trop spammer les donners parce que tu deviens prédictible. Et voilà, et à nouveau, le Elemental Spam de Tenebrix a fonctionné. Malheureusement, Glibino qui a sauté à nouveau quand il s'est pris de la glaciation. Alors, attention, parce que... le Rayman qui peut nous faire un petit kill peut-être à 105%, mais pour le moment, il se fait combo à l'infini. Attention, le fer. Deuxième fer à nouveau. Ouh, c'est attention, le side B. Le fer. Peut-être pas un nouveau side B. Non, malheureusement, ça n'a pas touché. Ok, le donner dash attack, non, ça n'a pas touché. Fire, non, ça n'a pas touché à nouveau. Le F-Smash, peut-être pour quelque chose. Donner, 110%, 112%, attention. Ou le Don't-Til qui n'a pas été trouvé. Ok, dash attack, upper. Et le upper qui kill à 129%, ça a bien été trouvé de la part de Glibino. Comme quoi, la patience, peut-être que ça suffira. Ok, oui, peut-être pour quelque chose. Attention, oui, dash attack, upper, up-smash plutôt. Ok, la tornade qui n'a pas touché malheureusement, le neutre à l'air qui a été touché. Ouh, dash attack. Ouh, dash attack et jab. Ouh, il nous fait plaisir le Tenebrix. Tenebrix qui change un petit peu son combo. Mais malheureusement, il se dit tranquillement, bon, on va dire que c'est un Noemi. Ouh, attention moi. un Noemi kill peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Ok, peut-être Glibino qui est AFK. Ok, on est de retour. Ok, le fer. Merci à T-Champi qui m'a dit la technique pour avancer un petit peu les matchs. Ok, jab. F-Smash, non, ça n'a pas été trouvé. Dash attack, grab. Non, malheureusement, ça n'a pas été trouvé à nouveau. Ok, faire attention parce que Glibino se met souvent en danger. Faire attention à pas trop spammer les dash attack comme fait Tenebrix. Mais malheureusement, Tenebrix, c'est profitable. Et malheureusement, la recovery qui a été mise beaucoup trop basse. Ouh, ça a été touché. 27%, attention. Dash attack. Oh, à ce moment-là, il faut SDI. Mais ça a l'air d'être très compliqué, la clash. Mais malheureusement, ça suffit, ok. Ouh, attention, ça peut nous couper quelque chose, peut-être. Don't tilt. Faire. Ah, malheureusement, le SDI à nouveau. Et c'est Tenebrix qui nous gagne ce combat magnifique. Bien joué Tenebrix, c'était très bien joué de ta part. Il nous a un peu régalé avec tes petits combos élémentaires et dash attack. Et Glibino, je ne te connaissais pas et je pense que tu... Après ce combat, je pense que tu as des choses à apprendre.
Ouais, bah oui, du coup, pour le coup. Pareil pour, un peu moins pour Tenebris, parce que du coup, il voit peut-être pas trop les erreurs qu'il a faites, mais du coup, Klebino peut voir un petit peu les erreurs qu'il a faites et pourra peut-être progresser lors du prochain tournoi.